Alors, Taria, il paraît que tu ne dors plus. Tu travailles comme une folle et sans répit. Roderick s'inquiète aussi énormément. Il faut lever le pied. On verra, un peu plus tard. Pour l'instant, ça va encore. Je dois veiller sur lui. Tu le connais ? C'est un très vieil ami. Je ne pensais pas le revoir à l'infirmerie. La fin approche pour lui. Son cas s'aggrave. La pétrification va le tuer. Si seulement j'avais pu calmer ses souffrances. Mais comment faire ? Nos remèdes contre la douleur sont loin d'être assez puissants pour l'apaiser. N'y a-t-il aucun autre remède ? Il y en a bien un. Il est très efficace. L'Elyséum. C'est le seul que je connaisse. Attends un peu, Taria. Tu es sûr ? Tu ne vas tout de même pas lui administrer ça ? Existe-t-il une autre solution pour lui épargner tant de souffrances ? Nos patients comptent vraiment sur nous, Rodrigue. Oui. Je sais. J'en suis conscient. Nos réserves d'Elyséum ont diminué comme peau de chagrin. Il faut donc en fabriquer, si on veut vraiment lui en administrer. Pourrais-tu nous aider et nous apporter l'ingrédient principal ? De quoi avez-vous besoin ? En cette période, on trouve des petits acarus au chemin des vieux pavés, vers la sente de l'auberge. Rapporte-nous un de leurs yeux. Transporte-le comme tu le pourras, mais évite de le toucher à main nue. Tout le reste devrait normalement être prêt, le temps que tu reviennes. Merci, Clive. Où en serait-on sans toi ? Oh, Sid. Bonjour. Y a pas à dire. C'était quand même pratique. Le marché de Francastel n'est plus aussi bien fourni qu'autrefois. Qu'il n'en veuille pas deux. Roderick doit faire les 100 pas au repère en m'attendant. Ils étaient dans un sale état quand ils sont rentrés. Te revoilà enfin, Clive. Est-ce que tu as l'œil du monstre dont je t'ai parlé ? J'espère que c'est ça.
Oui, c'est parfait. Merci, Clive. Tout est prêt pour concocter l'Elyséum. Et aussi déchirant que ce soit, je pense que Taria a raison. S'il n'y a plus que ça à faire, c'est le remède le plus puissant qui soit contre la douleur. Le patient ne sentira plus rien du tout. Il partira sans se rendre compte, mais il sera en paix. Pour de bon. J'aurais tellement aimé le sauver. Comment vous sentez-vous ? Léger, bien mieux. Ah, dans une douce chaleur. Bien, c'est très bien. Reposez-vous et laissez votre esprit s'apaiser. Merci, Taria. Tu sais, je suis fier de toi. C'est fini. Merci, Rodriguez. Et merci, Clive. Je vais préparer des sépultures dignes de ce nom. Ce patient qui nous a quittés m'a tout appris. C'était il y a longtemps. Je n'étais qu'infirmière militaire dans ma région. Sur mon île au sud, j'ai vu le fléau noir avancer lentement. Il dévorait la nature et les hommes. Mais j'aurais été inutile s'il n'avait pas été là. C'est lui qui m'a enseigné comment soigner sans utiliser la magie. Où serions-nous sans ton maître ? C'est lui qui a trouvé la recette de l'Elyséum qu'on lui a donnée. Il voulait soulager les pourvoyeurs, tout comme Cid. Les laisser mourir dignement et en hommes libres. Les pourvoyeurs comme nous sont traînés toute leur vie de front en front. Nous ne connaissons que la douleur, et une mort paisible est un doux rêve. Les chefs de guerre s'émeuvent très rarement de la mort d'un de leurs pourvoyeurs. Mon maître tenait quant à lui à les soulager dans leur agonie, pour leur offrir une mort bien plus humaine. Promets-moi une chose, Clive. Crée ce monde où l'on vivra dignement, car tout cela ne peut plus durer. C'est trop dur d'administrer ce fichu remède. On y arrivera, c'est promis. Merci, Clive. C'est généralement moi qui m'en remets à Harpocrate. Allons le retrouver de ce pas. Bonjour, Harpocrate. J'ai bien vu ton mot. Ah oui. J'imagine que tu dois te demander de quoi il s'agit. Tu disais vouloir te racheter en Verdion. Vous vous étiez déjà rencontrés ? J'étais en charge de son éducation, autrefois. C'était il y a fort longtemps, cela va sans dire, bien avant que je ne rejoigne Cid dans sa cause. À cette époque, j'ai eu le privilège de faire partie de la cour d'Oriflamme, grâce à mes talents en tant qu'historien. Je dispensais entre autres des cours au prince Dion. J'ai enseigné au futur empereur toute la culture générale, enfin, tout ce qu'un empereur devrait savoir.
Histoire, religion, commerce, politique. Hélas, tout ceci a vite pris fin quand Dion a dû rejoindre les dragons. Ses études n'étant malheureusement plus nécessaires. Je ne m'attendais vraiment pas à le revoir un jour. Surtout pas ici. As-tu pu lui parler ? Non. Je n'ai pas encore trouvé le bon moment. Son Altesse semble toujours si préoccupée, surtout quand elle est seule. Je ne pourrais me permettre d'aller la déranger avec mes élucubrations. Je suis aussi bien conscient de la tragédie causée par Ultima au Dominion. Il se sent profondément responsable, c'est vrai. Mais comme tu le dis, Ultima en était la cause. Tu n'as pas à te tourmenter. Quand je l'ai rencontré, j'ai tout de suite vu que ce jeune homme était très seul et accablé par ses responsabilités. Et je n'ai rien fait pour alléger sa souffrance. Il l'a endurée seul, même si cela le rongeait au plus profond de son être. L'un de mes plus grands regrets est de ne pas avoir su lui tendre la main quand je le pouvais. Alors qu'il ne cherchait qu'un confident. La responsabilité du drame qui s'est produit est aussi la mienne. J'en suis sûr. Je vois. Je veux bien t'aider s'il y a quelque chose que je peux faire. J'aimerais que tu ailles me chercher de l'herbe au dragon. Il est dit qu'un seul regard posé sur la fleur de cette plante mystérieuse peut apaiser n'importe quel cœur meurtri. Tout ceci semble être romancé, bien sûr, mais il y a quand même une chance que ce soit vrai et que nous puissions redonner un peu de joie de vivre à Son Altesse. Oui, on peut essayer. Dis-moi tout sur cette fleur. Où peut-on la trouver ? Tu as déjà vu de l'herbe au dragon classique, je pense. Sa fleur est d'un blanc proche du lys, et on peut la trouver un peu partout dans Valistea. Eh bien, celles que l'on peut trouver dans des environnements sauvages ont une teinte violacée d'autant plus prononcée que le climat est rigoureux. On parle d'une cascade à la tourbière de Rikmar à Valeude, où l'on trouvait cette plante en abondance. Peut-on encore en trouver là-bas ? Je ne sais. Mais malheureusement, je n'ai pas d'autres pistes dans mes livres. Ne t'inquiète pas. Je suis sûr que je finirai bien par tomber dessus. Merci, Clive. Et surtout, sois prudent. Tu es prête ? Cet endroit regorge des terres stagnantes. Des fleurs teintées de violet fleurissant près d'une cascade. Gardons les yeux ouverts.
Et voilà. Pas de doute. Harpocrate, j'ai mis la main sur les fleurs que tu voulais. Vraiment ? Je pense. Regarde. Oh ! Il n'y a pas de doute. C'est bien cela, merci. Tu désirais en offrir une à Dion, n'est-ce pas ? Je peux aller le chercher si tu veux. Non, je... Ne t'inquiète pas, je vais l'appeler. Votre Altesse, est-ce que vous auriez le temps de venir avec moi ? Déjà ? Nous partons donc ? Ah non, à la bibliothèque. C'est Harpocrate qui a quelque chose à vous remettre. Maître Harpocrate ? Non, je ne pourrais pas me présenter à lui. Pas après tout le mal que j'ai fait. J'ai ôté la vie à d'innombrables personnes et détruit celle de milliers d'autres. D'où vient de ma faiblesse ? J'ai bien sûr juré d'expier mes crimes, quitte à risquer ma vie. Je crains cependant qu'en le revoyant et en échangeant avec lui comme par le passé, ma détermination ne s'affaiblisse. Raison de plus d'avoir une discussion avec lui. Mettez-vous à l'épreuve. Prouvez-vous que votre volonté est inébranlable. Ce n'est pas faux. Je me dois au minimum de lui montrer ma gratitude. Très bien, alors. Allons le voir. Suivez-moi. Même maintenant, j'hésite encore à l'aborder. Pourra-t-il me pardonner ? Tout se passera bien. Maître Harpocrate, veuillez accepter toutes mes excuses pour avoir fait preuve d'une ingratitude sans borne envers vous. Votre enseignement m'a ouvert les yeux sur un monde dont j'ignorais tout, même si ce ne fut qu'une courte période de ma jeunesse. Je vous serai éternellement reconnaissant pour tout ce que vous avez pu faire pour moi. Relevez la tête, Votre Altesse. Vous n'avez en rien à vous excuser. Je suis heureux que vous soyez encore en vie et que nous puissions nous reparler ainsi. Aussi, il y a quelque chose que j'aimerais vous montrer. Une fleur d'herbe au dragon ? Sa couleur est
assez inhabituel. Cette espèce ne se trouve que dans des terres sauvages. Les herbes aux dragons poussant dans des conditions extrêmes ont des fleurs d'une couleur exceptionnelle. Ces fleurs d'une beauté majestueuse ne font que masquer un terrible danger, car en effet, leurs racines contiennent un poison des plus violents. Dans cette fleur, je vous vois, vous, votre Altesse. Tout ce que vous avez enduré vous a permis de fleurir plus fort. Vous devez rester fier, car vous avez appris de tout ce que vous avez enduré. Je voudrais que vous l'appreniez pour ne jamais oublier cela. Maître Harpocrate, veuillez excuser mon irrévérence. Conservez-la jusqu'à ce que j'ai pu accomplir mon devoir. C'est seulement à ce moment-là que j'en serai digne. Je comprends, Votre Altesse. J'attendrai votre retour. Mais me comparer à une fleur, je ne le savais pas aussi sentimental. C'est pour vous remercier d'avoir permis cette réunion. Je ne l'oublierai jamais. Merci, Clive. C'est bien grâce à toi que j'ai enfin pu trouver le courage de m'adresser à Son Altesse. Sans oublier l'herbe au dragon. Je vais planter ces graines et les faire fleurir ici pour que Son Altesse puisse en profiter. J'espère que la terre du repère sera à leur convenance. Oui, elles arrivent à fleurir dans les terres dévastées de Valeud. Je suis certain qu'elles s'en accommoderont très bien. Pour ce qui est d'exprimer ma gratitude, je pense que les mots ne sont guère suffisants. Tiens. Qu'est-ce que c'est ? Une plume de Stolas. Ou plus précisément, ma plume de Stolas. On dit que les plumes d'une chouette ayant vécu longtemps renferment tous les espoirs qu'elle a colportés et que ces espoirs se transmettent dans les mots que l'on écrit avec. C'est tout ce que j'espère pour toi. Que le jour vienne où tu rangeras ton arme pour te servir de cette plume. Eh bien, quand ce jour arrivera, j'aurai sans doute beaucoup de choses à écrire. Merci, Harpocrate. Je la garderai pour les grandes occasions. Je vais toujours aller voir Doris à la timonerie, mais je ne sais pas si elle acceptera de se confier à moi.
est Doris? Tu cherches quelqu'un? Oui, tu n'aurais pas vu Doris? J'aurais voulu lui parler. Notre capitaine est en mission. Elle a pris la route de l'auberge de Martha un peu plus tôt. À vrai dire, je devais normalement y aller moi aussi. Mais elle a préféré s'y rendre seule. De quelle mission s'agissait-il pour qu'elle ne veuille pas être accompagnée? Une enquête relative à une marchande d'esclaves. Nous avons obtenu des informations sur une femme. Elle comptait parmi les marchands d'esclaves ayant pris la fuite avant le sauvetage des pourvoyeurs vers Francastel. Elle doit la connaître si elle était déjà sur sa piste au moment du sauvetage. Tout ça ne me dit rien qui vaille. Tu sais où elle se trouve exactement? Elle enquête normalement sur le marché, à l'auberge de Martha. Si tu y vas, fais attention à toi. Pourquoi Doris partirait-elle seule? Tout ça est bien mystérieux. C'est au marché que Doris enquête. Allons vérifier. Mais il n'est pas... Mangez des légumes verts pour avoir le teint frais. Mangez des légumes frais pour avoir le teint... À une prochaine fois, j'espère. Ça a été un véritable plaisir de te revoir, Doris. Portez-vous bien. Ah, te voilà, Doris. Sid? Mais qu'est-ce que tu fais ici? J'ai entendu dire que tu t'étais lancé seul à la recherche d'une marchande d'esclaves. Ce n'est vraiment pas sérieux de partir sans ton coéquipier. Je suis désolée de t'avoir inquiété. C'est juste que le nom d'une ancienne connaissance est apparu au cours de l'enquête. Et cette personne était susceptible de détenir des informations très importantes. Je ne voulais pas l'alarmer en venant en tant que capitaine des Lames de Pierre. Et puis je me suis dit qu'elle parlerait plus librement si je venais seule. C'est la femme qui vient de partir avec qui tu voulais parler? Elle t'a dit ce que tu voulais savoir? Oui, je pense avoir pu identifier le lieu où se cache ma cible. D'ailleurs, elle aurait rassemblé de pauvres pourvoyeurs au viaduc de Balme. Et il est possible que le convoi parte très bientôt. De ce que j'ai compris, des soldats de l'Empire seraient dans le coup cette fois-ci, pour faciliter les opérations. La situation est à la fois urgente et critique. Il faut que je me rende sur place. Je t'accompagne. Tu n'auras qu'à libérer les pourvoyeurs pendant que je m'occupe des soldats. Si tu veux. Allez, on se retrouve sur place, au viaduc de Balme. Thank you.
te voilà. Je crois que j'ai trouvé le camp que je cherchais. Mais qu'est-ce que cette femme fait ici? Ce n'est pas celle avec qui Doris discutait. La collecte de pourvoyeurs a été particulièrement fructueuse. Dois-je comprendre que nous allons pouvoir rentrer? Le plus tôt sera le mieux. Qu'adviendrait-il de ma réputation si on apprenait que je fais la cueillette ici? La marchandise et les bagages ont-ils déjà été chargés? J'ai un gros contrat qui m'attend, moi. Il faut partir dès que possible. Compris, madame. Ah, mais une dernière chose. Tu es la seule fouine qui nous espionne. Venez donc me chercher. Tu as gagné. Tu les as tous éliminés. Je sais qu'il ne me servira à rien de m'enfuir. Sois indulgent avec la pauvre femme sans défense que je suis. Je me rends. Fais de moi ce que tu voudras. Sid. Je comprends mieux. C'est donc toi, Sid. Je n'avais absolument aucune chance de l'emporter. Doris, c'est donc aux côtés du renégat que tu te cachais. Et tu suivais ma trace dans l'ombre. Si j'ai commis une erreur en faisant cela, c'est la plus belle que j'ai pu faire. Sid, je suis désolée de ne pas avoir joué carte sur table avec toi. Cette personne est mon ancienne maîtresse. C'est elle qui m'a enseigné comment survivre en ce bas monde. C'est parce qu'elle m'a élevée et prise sous son aile que je suis encore en vie aujourd'hui. Heureuse d'apprendre que tu n'as pas complètement oublié d'où tu viens. J'ai rarement connu d'enfant plus doué que toi. Tu assimilais tout avec facilité. Les arts du combat comme ceux des lettres. C'est pour ça que je t'autorisais à rester à mes côtés. Tu étais bien trop brillante pour être considérée comme une simple esclave. Si j'osais, je te proposerais même de me rejoindre et de reprendre du service. Hors de question. Je ne vous appartiens plus. Ma lame ne sert plus que les intérêts des pourvoyeurs. Enfoncez-vous ça bien dans le crâne. Adieu, maîtresse. Je n'oublierai jamais le temps passé avec vous. Les pourvoyeurs ont bien de la chance. Quel dommage. Je n'avais vraiment pas bâclé ton éducation. Que comptes-tu faire d'elle? Je n'ai plus soif de justice, comme ça a pu être le cas auparavant. Qu'elle s'en aille. J'ai libéré les pourvoyeurs oppressés. C'est largement suffisant. Si c'est ce que tu veux. Merci pour tout, Sid. Je vais écrire un rapport pour les troupes sur les événements que nous venons de vivre. Et moi, je ferais bien d'aller retrouver Cole. Thank you.
C'est toujours un plaisir de vous voir, Sid. Nous venons de recevoir le rapport de notre capitaine. Elle nous a dit que vous aviez participé à sa mission et que vous aviez contrecarré les plans d'une marchande d'esclaves. Effectivement. Et j'imagine que les pourvoyeurs nous rejoindront bientôt au repère. Pour ce qui est de ton message, je pense qu'il n'est plus nécessaire de s'inquiéter pour Doris. Merci, Clive. Je dois dire que son rapport m'a également permis de mieux comprendre la situation. Je ne me serais jamais douté que cette marchande que nous poursuivions était en fait son ancienne maîtresse. J'ai entendu dire qu'elle s'était rendue aux autorités, accompagnée des soldats sambrécois qui travaillaient pour elle. Elle a sans doute compris qu'elle ne pourrait pas s'enfuir. L'Empire ne la punira jamais pour le traitement qu'elle réservait aux pourvoyeurs. Mais pour ce qui est de ses activités sur le marché noir, c'est une autre histoire. J'espère que tout cela n'a pas été trop dur à vivre pour Doris. Il me semble qu'elle a tourné la page. Je pense que ça ira. Je vois. Ça ne m'étonne pas d'elle. Je trouve ça admirable en tout cas. La capitaine a un lourd passé et ça ne l'empêche pas de vouloir continuer à se battre pour vous aider à créer un monde où nous pourrons tous vivre dignement. Et c'est grâce à vous, Sid, que je réalise une fois encore combien notre capitaine est motivée. Je ne dois pas la décevoir. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour sauver autant de vies que possible. Je n'en attends pas moins de toi, Cole. Rutherford. Le majordome de mon oncle s'appelait comme ça. Qu'est-ce qu'il fait à l'auberge de Martha? Vous êtes bien Sir Clive? Alors vous avez reçu ma lettre. Je vous remercie d'être venu. Je me présente, Sebastian Rutherford, intendant au service de votre oncle. Bien sûr. Nous nous sommes déjà rencontrés chez lui. En effet, Sir Clive, je suis ravi de vous revoir. D'après votre lettre, vous avez besoin d'aide. Pouvez-vous m'en dire plus? Excusez-moi de vous avoir fait déplacer sans vous donner plus d'informations. C'est que, voyez-vous... Ce n'est pas grave. Expliquez-moi tout. Si je suis ici, c'est parce que votre oncle m'a demandé d'enquêter sur la situation dans le Verponant. Et la situation est grave. La confusion règne depuis que le ciel a pris cette teinte inquiétante. Sans parler de la destruction des cristomères, les institutions des différents pays ne fonctionnent pour ainsi dire plus. Ce contexte nous fait craindre une explosion de violence. Les éthériques se multiplient et passent à l'attaque. Tandis que la peur et la pénurie divisent la population, incitant certaines personnes au vol et même au meurtre. Notre civilisation risque de sombrer dans un chaos sans précédent. Votre oncle veut faire tout son possible pour limiter les dégâts. Il m'a donc demandé de rassembler des informations sur le terrain pour pouvoir formuler un plan. Je vois. Ce projet ambitieux ne m'étonne pas de lui. Comme vous pouvez l'imaginer, nous avons fort à faire. C'est pourquoi j'ai demandé de l'aide à plusieurs de mes collègues qui sont au service des sept dynasties rosaliennes. Cependant... Qu'y a-t-il ? Je n'arrive plus à joindre deux de mes collègues. Je m'inquiète pour eux et je me demandais si vous pourriez partir à leur recherche. Votre inquiétude est compréhensible. Où était-il la dernière fois que vous avez eu de leurs nouvelles? L'un était à Dalimil et l'autre dans les environs de Francastel. Il faut espérer qu'ils y soient encore. Je vais commencer par me rendre à Dalimil. Je vous remercie de votre aide, Sir Clive. Faites attention à vous.
Si le collègue de Rutherford était encore en ville, il serait en sécurité. Allons le chercher hors des murs. Il paraît que les choses vont pas mal changer. Avec ce qui est arrivé à Krodrak. Un chef, ça sert à garantir la cohésion. Rien à signaler. Mais qu'est-ce qu'on s'en met ? Ça ne me dit rien qui vaille. Allez, mène-nous à ton maître. Il a intérêt à payer la rançon ou tu vas y passer. C'est impossible, je vous l'ai déjà dit. Alors on prendra tout ce qu'on pourra sur ta dépouille. Aidez-moi, je vous en supplie. Je m'en occupe. Merci. Alors c'est vous son maître ? Si vous payez ce qu'il faut, alors nous oublierons que vous avez osé menacer des soldats de la République. Je vous conseille de disparaître avant que je vous dénonce à vos supérieurs. Ah, tu peux toujours essayer. Nos supérieurs, on les a tués. Ce comportement ne m'aurait pas étonné de la part des hommes de Hugo, mais c'était bien des soldats de l'armée régulière. Eh oui. En tout cas, je ne vous remercierai jamais assez. Dites-moi, est-ce que vous travaillez pour Rutherford ? En effet. Comment êtes-vous au courant ? Rutherford n'avait plus de vos nouvelles. Alors il m'a demandé de partir à votre rencontre. Que s'est-il passé avec ces soldats ? J'ai été envoyé ici pour étudier la situation en Dalmeki. Il y a quelques jours, en arrivant à Dalimil, j'ai pris contact avec le capitaine des soldats stationnés dans la ville pour avoir des renseignements. Mais ces hommes m'ont menacé et jeté au cachot. C'est à ce moment que vous avez perdu le contact avec Rutherford, j'imagine. Ce qui les intéressait, c'était l'argent, donc je leur ai donné ce qu'ils voulaient et j'ai pu partir. Mais une autre bande de soldats s'en est aussitôt prise à moi. Le gouvernement d'Almec ne fait plus son travail. Et à ce que je vois, l'armée aussi est en plein désordre. Oui, les généraux restants se cachent derrière les remparts de la capitale pendant que leurs sous-fifres terrorisent la population. Les hauts gradés ne peuvent plus les contrôler, ou alors ils ne sont même pas au courant. Je vois. C'est encore pire que ce que j'imaginais. Vous devriez quitter la région et faire un rapport à Rutherford. Vous avez raison. Merci encore. Vous m'avez sauvé la vie. Je vous en prie. Mon oncle avait raison. La population est en danger. Je crains le pire pour l'autre associé de Rutherford. Allons vite à Francastel. Commençons par suivre la route d'Oriflamme. Notre homme y sera peut-être. Est-ce que tout va bien ? Ça pourrait être pire. En tout cas, je vous le dis tout de suite, je n'ai plus un sou. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas là pour vous voler. Je cherche quelqu'un qui travaille pour un certain Rutherford. Dans ce cas, vous avez trouvé la bonne personne. Moi, c'est Alistair Rockford. Je suis l'intendant de Dame Ariane Walsley, des Sept Dynasties de Roselia. Dame Ariane ? C'est ma grand-tante. Ça fait bien longtemps que je n'ai plus eu de ces nouvelles. Comment va-t-elle ? Attendez, vous êtes Sir Clive Rosfield ?
Eh bien, Dame Wellesley se porte comme un charme. Elle m'a demandé de partir en mission pour aider Rutherford. J'allais arriver à Francastel quand j'ai vu des villageois se faire attaquer par des bandits, ici même. Quel genre de bandits ? Eh bien, maintenant que j'y pense, ils ressemblaient plutôt à des paysans qu'à des professionnels. Quoi qu'il en soit, ils voulaient détrousser les villageois. J'ai essayé de m'interposer, mais ça s'est mal passé pour moi. Par où sont-ils partis ? Par cette porte. Pourquoi ? Compris. Je vais les rattraper. Hors de question qu'ils recommencent. Êtes-vous capable de marcher jusqu'à Francastel ? Vous pourriez vous réfugier chez Madame Apolline, à la Nuit Galante. Dites-lui que je vous envoie. D'accord. C'est compris. Je vais y aller. Merci pour votre aide. Ils s'en prennent déjà à quelqu'un d'autre. Si j'étais vous, j'irais me réfugier en ville. Les routes ne sont pas sûres. Merci, vous m'avez sauvé. On me reprendra plus à voyager seul. Sir Clive, vous n'êtes pas blessé ? Je vous avais dit de vous mettre à l'abri à la Nuit Galante. Excusez-moi, je ne pouvais pas rester sans rien faire alors que vous étiez en danger. Ne vous en faites pas pour moi. J'ai réglé leur compte aux bandits qui vous avaient attaqué. Merci, Sir Clive. Ce qui m'étonne, c'est qu'ils osent attaquer des voyageurs sur une route si fréquentée et si proche de la garnison de Francastel. Les événements récents ont coupé certaines voies d'approvisionnement, ce qui a créé des pénuries alimentaires. Même les denrées essentielles ne sont plus accessibles aux simples paysans. Les plus pauvres en sont réduits à voler ou à se battre pour manger. Et si ça continue comme ça, de plus en plus de citoyens ordinaires deviendront des bandits de grand chemin. Écoutez-moi, Rockford. Je vous suis reconnaissant pour ces informations, mais il faut avant tout que vous trouviez un soigneur. Avec ces blessures, vous n'êtes pas en état de continuer votre mission. Oui, vous avez raison. Je vais commencer par retourner à Francastel. Mais d'abord, je tiens à vous remercier d'être venu à mon secours. C'est à Rutherford qu'il faudra dire merci. Il s'inquiétait pour vous et m'a envoyé à votre recherche. Je lui enverrai un Stolas dès que possible. Au revoir, Sir Clive. La situation à Sambrec est aussi grave qu'en Dalmeki. J'espère que mon oncle pourra faire quelque chose. Je devrais dire à Rutherford que ses collègues sont sains et saufs. Rutherford, me voilà. Sir Clive, je vous remercie de votre aide. J'ai eu des nouvelles de mes deux collègues. Ils m'ont expliqué que vous les aviez tirés d'affaire. Heureusement que je les ai trouvés à temps.
Ils étaient victimes de la violence et de la corruption sur lesquelles ils devaient enquêter. Oui. Comme vous avez pu le constater vous-même, il n'y a pas une région qui échappe au chaos. Votre oncle et moi-même allons faire tout notre possible pour améliorer la situation au Verponnant. Je vais m'empresser de lui faire un rapport pour que nous puissions réfléchir à des mesures concrètes. Merci, Rutherford.